à tous. Alors, ici, le 29 février 2016, nous allons parler de l'école. L'école, bien sûr, on va parler des maîtresses, des élèves, des camions, en cours et tout. C'est parti. Alors, il y a des élèves, en fait, comme lui, par exemple. Des fois, ils sont tellement intello qu'on peut copier sur lui. Donc moi, Il y a des fois, t'essayes de pas te faire choper, mais c'est hyper dur. Mais oui, quand même. Bon, parlons des élèves intello. Regardez. Là, ils essayent d'écrire comme ça, et t'as toujours l'autre à côté qui va copier. Ok, il y a aussi, on va aussi parler des maîtresses. Mais les maîtresses sont tellement chiantes qu'on a envie de... Ah voilà, comme ça. Par exemple, la maîtresse qu'on a aujourd'hui, elle est nulle. Nulle, totalement nulle. À des fois, quand on fait des blagues, elle rigole bien sûr avec nous. Mais bon, à des fois, quand on gronde, c'est... Voilà, je trouve même pas de mots pour l'expliquer quand même. Pas mal. Alors, il y a aussi les récré. Tu joues. Et quand tu joues, attention, et ben tu fais des conneries, bien sûr. Alors, regardez là, on va faire un exemple de la personne qui va vous faire chier au moment où tu cours. Un exemple de mec. Ok, il y a aussi... Les mecs qui chassent. Les conneries en cours. Par exemple, je vous en ai écrit une. Quand on dit autruche, on va se baisser comme ça. Autruche, hein, pas autruche. Hein. Autruche. Ouais, je dis ça, il est russe. Comme ça, là, il faut vraiment se baisser comme ça. Attendez, on va vous faire un exemple. Assieds-toi. Autruche. Ok. Ça, c'est fait. Voilà les exemples. Et ça, c'est vraiment comme une faute. Comme la chanson qu'on vous a mis. De la maternelle. Maternelle, on écrit... Non. Attendez. Les maternelles, le pire, c'est que c'est les quand même les primaires qui sont jaloux. Les maternelles font des siestes. Attends, excusez-moi. C'est une honte, c'est une injustice. Nous, les primaires, on n'arrive même pas à faire des siestes. Non mais attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ce non-respect là? C'est du caca, je vous dis. Par exemple, quand une maîtresse demande de dessiner une maison, et ben, elle décide comme ça. Comme ça, là, vraiment. Hop là. Voilà, comme ça. Et le pire des pires, c'est qu'ils vous disent « Bravo, t'as réussi à faire une maison. » Et en primaire, ça donne ça. Regardez, je vous ai dessiné une heure de colle. Ça ne va point. Non, mais c'est ça, le pire. Ou alors, ça c'est la récré. Il y a des fois, on est un petit peu content en école, c'est ça. La maîtresse est absente. Ouais. Vous avez un film. Ou sinon, le pire de pire, c'est que tu vas dans des autres classes. Les maîtresses que t'aimes pas, tu les as forcément. T'es obligé d'avoir le pire. Alors ça, c'est... Et voilà, c'est quoi? Et on va vous la mettre. C'est quoi toi? Bon, sinon, vous avez un élève. Vous savez, les élèves vraiment nuls à chier, mais vraiment nul. Bon, j'ai dit chier, hein, mais pas très grave, on va la mettre. Quand ils écrivent un mot, ils sont obligés de faire une faute. Regardez. On va écrire comment? Et après, moi, je joue la maîtresse. Stylo vert. Ok. Comment? C-A-U-M-A-N-T. C-C-O-M-2-M. Excusez-moi. 2-M-E-N-T. Ça ne va pas du tout. Attention, vous avez faux. Oula. Mon écriture. Bon, sinon, il y a les petits frères. Quand on voit un portail de l'école, on est toujours obligé d'être enfermé. Donc ça fait ça. Oh, ça va, tous les petits frères. On va te sauver de là.
Non, je blague. C'est quoi la tête que t'as fait? J'ai mis. Regarde, je t'ai mis. Bon, sinon, l'école, c'est très bien. Avoue que c'est très bien. Oui, à des fois, c'est pas mal quand même. À des fois, tu t'as des petits moments de kiff. Oui. Oui, voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc on espère que ça vous a plu. Et bye, c'était Kélian. Si vous voulez que Kélian revienne dans mes vidéos, mettez 20 likes. Et abonnez-vous. Bye.